Bonjour Patricia, bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà Patricia, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Ok, la santé. Donc depuis l'enfance, j'ai des maux de tête très fréquents. Et je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai une spondylarthrite ankylosante et une fragilité héréditaire de l'estomac et des intestins. Et ça, ça vient de... Spondylarthrite ankylosante. Ankylosante. C'est le deuxième. Troisième point, c'est fragilité héréditaire au niveau de l'estomac et des intestins. Et ça, ça vient du côté de la lignée maternelle, ma mère, ma grand-mère et mes sœurs. On est toutes impactées. Ok. Voilà. Et puis donc, il y avait cette ablation de l'utérus dont je vous ai parlé. Alors, c'est quoi ta question par rapport à l'ablation de l'utérus alors? Par rapport à la Oui, c'est quoi il ta doit question? y avoir une raison. Ah, tu veux savoir pourquoi on te l'a retiré alors que c'était oui. pas nécessaire, c'est ça? Ben oui, c'est pas nécessaire. Ouais. Bon, en même temps, je me dis, j'avais déjà mes enfants, c'est moins grave que si c'était sur une jeune femme qui aurait voulu avoir des enfants. C'est sûr. Donc, moi, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Oui. Autre question? Ben, au niveau de la santé, non. Alors, les questions hors santé? Alors, le premier de mes trois enfants, il a évolué dans des déviances. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi il a évolué de cette façon? Et lui, d'où il vient? Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est un extraterrestre, hein, ce garçon. Alors, qu'est-ce que tu appelles des déviances, c'est-à-dire? Alors, il se drogue. Et il s'est permis des attouchements parfois graves sur ses enfants. D'accord. Et donc, bon, ça a été réglé au niveau judiciaire. Hein. C'est ma fille qui s'occupe aujourd'hui de ses enfants parce que lui, on les lui a retirés. Et les enfants sont très heureux aujourd'hui, mais bon. Oui, tu veux savoir ce qui s'est passé, pourquoi? Ben oui, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi ce garçon a évolué comme ça, quoi. Ok. Deuxième question. Alors, la deuxième, j'ai été initiée à l'art du Reiki. Je suis praticienne et enseignante. Et je me demandais ce que vous pensiez tous les deux de cette discipline et de l'énergie utilisée. Et ouverte à tout. Il y a un deuxième petit point pour le Reiki, c'est lors des séances de soins, que ce soit pour moi ou d'autres, il y a un être qui apparaît. Il est silencieux, il est discret. Moi, personnellement, il ne me semble pas nuisible. Et je me demande qui il est et qu'est-ce qu'il vient faire. À quoi il ressemble, cette étape qui apparaît? Alors, il est assez mince. Il n'est pas très grand. Il porte un kimono noir. Je ne vois pas très bien son visage. Et souvent, il est assis. Et il n'apparaît pas à chaque fois. C'est ça qui me semble bizarre, quoi. Bah, tu es ouverte à tout? Pardon? Tu es ouverte à tout? Ah, bah oui. Tu es prête à tout entendre? Oh, mon Dieu. Bon, ok. On verra voir ça. Autre question? Alors, donc là, j'ai écrit que je constate ces dernières années une perte de foi et d'enthousiasme dans ma vie en général. Mais ça ne correspond pas du tout à ma nature profonde. Que se passe-t-il? Okay. Et alors, il y en a une quatrième. Oui. Donc, comme Phil et moi, on a un ego de couple assez développé. Moi, j'aimerais savoir... si ou dans quelle incarnation, Phil et moi, on s'est rencontrés. Si on a une ou plusieurs, et dans quel but. Ok. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, alors?
Alors, on est ensemble depuis 2004, donc ça fait, je sais plus, ça fait combien, j'arrive plus à compter. Depuis 2004, c'est suffisant. Oui, depuis 2004, on est ensemble. Bah, ça fait déjà 10 ans, hein. 20 ans. Ah, oh, ça fait 20 On ans même, je crois. est à 24, ouais, c'est 20 ans. Ouais, ça va faire, ça fera 20 ans, je crois, ouais. D'accord. Et vous avez toujours été chacun dans son foyer. Non, on a vécu jusqu'à il y a peut-être 18 mois, 2 ans maintenant. On était ensemble, mais là, depuis 18 mois à peu près, chacun chez soi, quoi. D'accord. Mais on est toujours fourré l'un chez l'autre, hein, il n'y a pas. Oui, De c'est toute l'idée, façon. c'est pas chacun son espace, c'est ça, et de se Voilà, retrouver c'est ça. Ouais. pour le meilleur. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que la maison ici où je vis est très très petite. Phil est quelqu'un qui a besoin d'espace. Et bon, il a eu l'occasion de pouvoir acheter une maison qui lui convient mieux, qui est beaucoup plus grande. Et puis il a ses poules. Ah, Les d'accord. poules, les cocottes, hein, les à plumes. Hein. J'avais compris. J'ai remarqué que tu portes pas de plume. Non, je rigole. Pas aujourd'hui. C'est un humour un peu. Bon, je reconnais, limite. Bon, ça, c'est pascalien. Autrement, tu as d'autres questions? Non, comme ça, non. Non, ça va. Tout va bien. Tout va On bien, va oui. passer aux invitations alors. Donc, tout va bien, tout le reste, c'est nickel. Oui. Voilà, tant mieux. Alors, on habite à part tes trois enfants et leurs familles respectives. Ouais. Voilà, Phil aussi, évidemment. Voilà, Sauf alors, celui. Phil et sa Ah oui. famille. Et sa Ouais. famille, mes enfants, mes petits-enfants, Oui. mes amis. Ah, tu as des frères et sœurs? J'ai deux sœurs. Voilà, donc les deux sœurs et leurs Deux familles. sœurs. Mes parents sont tous. Enfin, au niveau des ascendants, il n'y a plus personne. Ils sont tous morts. Donc, Okay. Donc on dit famille en général. oui. Voilà. Après, donc les amis de cœur. Des Relations, amis amis. de cœur, tu dis? Ouais. Bah, Oui. oui. Voilà, amis de cœur. Relations, collègues ou autres. Oh non, ça fait longtemps que. Non. Ok. Des animaux? Deux chats. Deux chats. Deux chats et bien sûr les animaux de tout le monde. Eh oui. Et là, c'est Phil. Ah oui. Hein. Ok. Bah, c'est cocotte. Ouais. Pour aider désincarner, tu as choisi Alors, qui? moi j'aimerais bien ma mère et mon père, bien sûr. Ta mère et ton père. Ouais. Et j'avais un parrain aussi C'est qui. deux seulement, hein. C'est deux. Ah, c'est deux seulement. Ouais, Ah mais ah. et le parrain en bénéficiera, t'inquiète pas, je demande. D'accord. Parce que mon parrain, c'était à la limite comme mon père, parce que mon père était un père absent, donc mon parrain m'a servi de père. Alors, tu choisis qui finalement? Elle a choisi mon parrain. Ton parrain. Ben Alors, oui. ton parrain, c'est qui? Alors, mon parrain, c'est le mari de ma grand-tante, qui était la sœur jumelle de ma grand-mère paternelle. Donc c'est du côté paternel. Côté paternel, oui. Ok. Mais lui, il n'avait rien à voir avec la famille puisqu'il a épousé ma Marie, grand-tante. grande-tante, d'accord. Côté paternel. Bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. D'accord, merci beaucoup. Le son. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 32 800. Connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Ok, je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Patricia. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une sorte d'énergie verte, hein, un vert un peu fluorescent, qui est en arrière-plan d'elle et qui vient colorer tout son espace d'énergie. C'est un petit peu comme ces fonds verts, au cinéma quand ils veulent faire des effets spéciaux.
Il y a cette sorte de couleur-là, de ce même type de vert-là. Donc ça vibre et ça apparaît et ça disparaît comme une sorte d'hologramme. Donc c'est en arrière-plan d'elle et les vibrations de cette sorte d'écran-là, de cette sorte de couleur, ça vient faire vibrer aussi de façon dissonante toute sa sphère d'énergie jusqu'au plan physique, puisque tout son être, en fait, c'est-à-dire ses corps subtils et jusqu'au corps physique, tentent de se... ou en tout cas sont toujours dans une action de réadapter à chaque saute, à chaque soubresaut énergétique de cette sorte de lumière verte. Il y a des pointes vert noir qui sont là comme des sortes de clous et qui sont fixés au niveau de ses articulations. On retrouve toujours dans ces pointes noir vert ce même type de vert, mais avec du noir en plus qui crée la densification. Comme des sortes de. C'est des plan en fait éthérique mais densifié par cette couleur noire. Il y a une sorte de filet qui est presque translucide, mais on retrouve toujours encore quand même cette couleur verte là, vert menthe, un peu menthe à l'eau, qui vient séparer ces corps subtils. Il y a plusieurs filets entremêlés et dont un au niveau de sa matrice, qui l'a resserré autour de sa matrice, et un autre autour de sa tête aussi. Moi, ça fait plusieurs couches. Parce qu'il y en a d'autres, il y en a un autour de sa matrice, un autre autour du ventre, mais qui s'arrête au niveau du plexus solaire, et puis encore un autre qui recouvre et qui lui vient jusqu'au milieu de la poitrine. À chaque fois, c'est relié au chakra, en fait. Donc, on retrouve sept filets qui sont rattachés aux sept chakras principaux. Et encore après, des filets secondaires et d'autres filets qui viennent s'intercaler entre ces corps subtils. Ça en fait des filets. Bien. Cette espèce de clou aux articulations, ça a à voir avec sa spondylarthrite. Oui, c'est ce qui est là présent en arrière-plan du plan physique. D'accord. Ok. Et tous ces filets sur tous les points, qu'est-ce que ça cause comme problème? Sur tous les chakras secondaires, principaux et autres. Ça vient déranger, décaler leur fonctionnement habituel. Donc l'élémental du corps est sans arrêt obligé de repousser la fréquence de ses filets pour pouvoir fonctionner, on va dire normalement, de façon efficace. Mais ça vient quand même l'affaiblir au fil du temps et ça vient impacter aussi, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et mental. Ça vient créer comme une sorte d'essoufflement, de fatigue, de lassitude. D'être là sur le plan physique incarné. Ok. Il y a toujours cette lutte en fait pour se maintenir, cet effort là pour se maintenir à flot sur tous les plans et continuer à avancer là dans l'incarnation. Il y a un système GPS qui est au niveau de son troisième œil. Ok. C'est quoi ce problème là? Ça vient créer une sorte de distorsion de la réalité. Alors, à la fois, ça vient favoriser et augmenter ses perceptions extrasensorielles, et à la fois, ça vient comme les diriger. Donc, à la fois, ça ouvre des portes, et à la fois, ça en ferme d'autres. Autre chose? Directement sur elle, c'est tout. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Il y a des mantes qui sont là en arrière-plan. Ouais, mon était. Ok. Combien est-ce que tu en vois? Trois.
Trois mentors. C'est quoi leurs objectifs, hein? Le contrôle et la surveillance, la mise en place, mais aussi la continuité et on va dire la préparation du futur pour des lignées humaines qu'elles contrôlent. Bien. Elles sont toutes seules ou elles ont une hiérarchie? Non, elles sont toutes seules. Elles n'ont pas de petites mains? Si, mais je veux dire par là qu'il n'y a personne au-dessus d'elles. Mais il y a des grilles qui sont là. Des grilles. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elles la toute première fois? 1, 2, 3. Elles sont là depuis 7 incarnations, le chiffre 7. Ok. Et comment s'est produite la première fois? Elles se sont présentées au moment d'une désincarnation pour proposer leur aide et proposer comme une sorte de carte routière des roues d'incarnation, des incarnations suivantes, de tous les chemins en fait, on va dire post-mortem, dont ceux qui mènent en dehors de la matrice artificielle. Enfin, du moins, c'est de cette façon-là que c'est présenté. Elle les voit sous quelle forme à ce moment-là? Sous des formes féminines angéliques, hein. Blondes, dorées, avec des grands cheveux, des sortes d'ailes translucides et qui... Les pieds ne sont pas posés au sol, elles flottent au-dessus du sol. Alors, bien sûr, je suppose qu'elle accepte. Oui. Elle les suit, et que se passe-t-il pour elle alors? À partir de ce moment-là, ces incarnations suivantes sont gérées par ces entités-là. Et alors, ils l'ont emmenée hors de la matrice? Non. Ok. Est-ce que c'est elle qui gère aussi ses incarnations dans les lignées? C'est elle qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Oui. Et quelles sont les caractéristiques principales des lignées qu'elle choisit pour elle? Ce sont des lignées sur lesquelles ces entités-là ont déjà travaillé, qui sont déjà modifiées en partie génétiquement. Donc c'est une facilité d'interférence. Est-ce que tu vois que Patricia a été modifiée génétiquement? 1,5% a été modifié, oui, pour le contrôle et l'accroche de l'interférence et des dispositifs sur elle. Ok. Et c'est le cause qu'a le problème, cette modification? Ça vient créer une vulnérabilité, mais sur tous les plans, psychique, mental, émotionnel, jusqu'au plan physique. Elles n'ont pas inclus de leur ADN? Non, pas directement. Ok. Alors, donc, on va regarder. Voilà. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Patricia prennent conscience et connaissance de la supercherie et des conséquences? Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu d'incarnation humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Dans cette boucle-là, 28. 28 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Cassiopée. Une étoile, une sorte d'étoile double, comme deux étoiles jumelles en cinquième dimension. Elle est sur l'une des deux. Cinquième dimension? Sous quelle forme tu la vois? Elle est humanoïde à polarité féminine et il y a cette sorte de couleur violette, mais très claire et légère et légèrement mordorée aussi. Il y a comme des sortes de voiles et une combinaison proche du corps. Et au-dessus, comme une sorte d'ornement, il y a ces voiles légers. D'accord.
Et elle a une fonction particulière sur cette étoile? À quoi, comment elle s'occupe? Quels sont ses centres d'intérêt? Sa manière d'exister? Elle est là simplement à occuper son rang, c'est-à-dire que c'est comme si elle faisait partie d'une sorte de famille dirigeante ou quelque chose comme ça. Hein. Et elle y cherche sa place. Donc elle passe d'une activité à l'autre pour, comme si c'était pour justifier sa place dans la fratrie, dans la famille. D'accord. Ok. Et donc comment elle s'appelle comment cette planète sur Cassiopée? C'est une étoile, Astrea, celle sur laquelle elle se trouve, c'est Astrea. Astrea. Et l'autre, c'est Kalia. Et l'autre, c'est Kalia. Ok. Elles ne sont sûrement pas connues, mais ce n'est pas grave. Bien, et qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre? Parce qu'elle part régulièrement à l'extérieur. Au départ, ses incursions sont sur l'autre étoile jumelle, mais elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes et finalement pas de réelle possibilité de développement d'autres activités. Donc elle part régulièrement et sur d'autres étoiles et sur d'autres planètes et dans d'autres constellations aussi pour chercher des connaissances et des activités qu'elle pourrait rapporter un petit peu comme un trophée, ou en tout cas comme un plus, comme un ou des savoir-faire à rapporter là au sein de sa fratrie et de sa famille. Okay. Elle est en quête de reconnaissance? C'est pas tellement de la reconnaissance, c'est trouver sa place. Parce que rien n'est réellement déterminé. Donc, dans cette situation-là, chaque conscience qui fait partie de ce groupe-là doit prouver, en quelque sorte, ou montrer quelle est sa spécialité. Donc, elle est en quête de rechercher la sienne. C'est une conscience adolescente, une très jeune fille. D'accord, ok, ça explique ça. Ok, ado. Bien, et alors, donc, que se passe-t-il quand elle part en exploration, en quête de ses activités futures? Elle fait des allers-retours où à chaque fois elle rapporte des connaissances, des savoir-faire, en tout cas des éléments qui ne sont pas connus de son lieu d'origine. Et lors d'un de ces déplacements, elle est amenée à venir dans notre système solaire. Pour se déplacer, elle se laisse porter en fait par les vagues d'énergie qui traversent notre univers. Elle est là dans sa Merkaba, ce n'est pas un vaisseau technologique. Okay. Et ces vagues d'énergie l'amènent à proximité de la matrice artificielle terrestre. Et là, elle s'y fait avaler, en quelque sorte, aspirer, avaler, mais sans qu'elle en ait vraiment conscience. C'est comme une sorte d'aimant, une sorte d'aspiration, une sorte d'aimantation. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que c'est pour elle? Quand elle se rend compte de son état d'être, où elle est ses énergies ne circulent plus comme auparavant, c'est comme bloquée. Là, elle se rend compte à ce moment-là qu'elle ne peut plus repartir, qu'elle est bloquée là, et que sa seule solution, en quelque sorte, sa seule porte de sortie, puisqu'elle ne peut plus ressortir par l'entrée, en quelque sorte, elle se tourne de l'autre côté et elle entre elle-même dans les méandres de la matrice artificielle terrestre. Elle va en explorer les étages, les chemins, jusqu'à ce qu'elle finisse par découvrir les roues d'incarnation humaine. D'accord. Et quand elle explore les étages et les chemins, elle prend une forme particulière? Non, elle est toujours dans sa Merkaba.
Elle a toujours inscrite en elle la mémoire de forme humanoïde qu'elle avait auparavant. Et la première manifestation sur Terre, c'est en 3D ou il y a d'autres manifestations avant d'être humaine? Il y a des manifestations en 4D, mais dans une forme humanoïde. Et dans cette manifestation-là d'elle-même, elle est amenée à croiser des désincarnés. Et quand elle est humanoïde en 4D, quel type d'humanoïde alors? C'est une forme humaine, mais floconneuse, vaporeuse, blanchâtre et semi-transparente. D'accord. Comme une sorte de nuage qui aurait une forme humaine, mais qui n'est pas avec des contours précis et qui peut s'étirer, se déformer à volonté, parfois se séparer pour ensuite se rejoindre. C'est un petit peu des molécules flottantes. Comme des molécules nuageuses flottantes, mais qui reviennent toujours à leur mémoire de forme d'origine. D'accord. Et tu dis qu'elle rencontre des désincarnés là. Oui. Et alors, il se passe des choses particulières à la rencontre de ces désincarnés? Oui, elle écoute leur histoire. Alors, c'est étrange parce que les désincarnés la perçoivent comme une sorte d'ange. Il y a souvent des échanges d'informations. Des désincarnés lui donnent des informations sur leur dernière incarnation. Ils lui transmettent aussi souvent leurs émotions. Ça peut être leur joie, leur tranquillité, mais ça peut être aussi leur mal-être, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Et elle leur transmet, en tout cas pour ceux qui sont capables de recevoir les informations, des informations d'ailleurs que elle a pu récupérer, en tout cas collectionner en quelque sorte de ailleurs. Du moins les bribes qui lui sont restées. Donc ça donne quelque chose d'assez éparse dans les informations de nous. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe après pour elle alors, après cette forme d'humanoïde en 4D? À force de fréquenter en quelque sorte les désincarnés, par curiosité, elle se rapproche des roues d'incarnation. Et elle décide d'elle-même d'y plonger. C'est les récits multiples et les contacts multiples avec tous ces désincarnés qui lui donnent l'envie et la curiosité d'aller explorer par elle-même ce qu'est une incarnation humaine. Comment se fait-il qu'elle les voyait comme des anges, ces désincarnés? Parce qu'elle n'a pas les fréquences terrestres à ce moment-là. D'accord. Et elle n'est pas... humaine complètement. Je veux dire par là que même s'il y a cette mémoire de forme humanoïde, ça n'est pas humain comme un humain terrestre. Il y a cette forme vaporeuse, floconneuse, humanoïde que les désincarnés perçoivent comme angélique, hein, d'après leur système de référence. Ah d'accord, ok. Bien. Et donc ces désincarnés sont encore dans l'espace terrestre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas quitté ce plan. Ceux qu'elle a croisés sont dans le moyen astral. Dans le moyen astral. Ok. Et ensuite, donc, elle plonge dans les roues d'incarnation et elle arrive dans sa première vie humaine. Oui. Elle se situe où, cette première vie humaine? Il y a une montagne haute, neigeuse. Elle est... C'est comme une sorte de pyramide, la forme. Elle est au pied de cette montagne-là. C'est un pays asiatique. D'accord. Genre Fujiyama? Quelque chose comme ça, oui. Elle a une vie comme une paysanne, quelque chose comme ça. En tout cas, proche de la nature, une vie plutôt rude.
Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles, même si tout disparaîtra? Non, pas pour l'instant. Alors, regarde son ADN éthérique, à part ses 1,5% trafiqués, regarde s'il est bien issu de son essence. C'est le sien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons pouvoir convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces mantes, qui vois-tu d'autre? Donc, il y a les gris qui sont là. Mantes et les gris, oui. Se relayent, c'est comme des sortes d'équipes qui se relayent par 3 ou 4. Il y a des désincarnés aussi qui sont là présents. Ok, ils sont là pourquoi eux? Parce qu'ils ont besoin d'énergie. Et lui pompe de l'énergie, quoi. Oui. Ok, qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités. Enfin, il y a des esprits démoniaques d'abord qui sont là. Et qui viennent. C'est comme une sorte de jeu pour eux. Ils viennent la pousser. C'est comme, tu sais, ce jeu de Colin-Maillard où tu viens pousser dans un sens et puis dans l'autre celui qui a les yeux bandés. C'est un petit peu la même chose. Et l'objectif est de la décentrer, de la déséquilibrer pour faire baisser ses fréquences et obtenir de l'énergie qui leur corresponde à ces entités-là. Elles appuient sur des failles? Sur des failles d'un... comme une sorte d'incertitude intérieure, c'est-à-dire de se demander de ce qu'elle fait là sur le plan physique terrestre incarné. Ok. Vois-tu d'autres? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Tu vois des parasites? Non. Ok. Alors, elle déclare à tous petits qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Patricia se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se revigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Patricia, à présent? C'est beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Alors, dis-moi comment réagissent ces entités. Il y a de la colère, une sorte de colère froide. C'est froid et coupant, comme une lame de couteau. Avec de l'énergie coupante qu'elle commence à déployer tout autour d'elle pour la bloquer. Est-ce que nous avons été repérés? La sphère d'énergie de la séance, oui. Ok, elles sont intervenues. Pas directement, mais il y a cette sorte d'énergie coupante qui commence à se déployer autour, oui. Ok, donc on va toutes les bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui.
Voilà, là tu vas revenir en arrière et tu vas te mettre dans une position juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Patricia, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. À voir. Alors, on les élimine donc sur tous les plans, les arrière-plans, le reflet miroir, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais que me préciser. 1, 2, 3. Oui. Profites-en pour regarder la bulle de notre séance. Est-ce qu'il reste quelque chose? Il y a comme des sortes de traces énergétiques qui restent en surface à éliminer. Ok. Alors, on élimine également dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, s'il reste là, je te dis quelque chose en arrière-plan pour les deux, pour Non. notre et pour Patricia. D'accord. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont intervenues déjà. Combien est-ce que tu en comptes? Sept. Ok. Alors, tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a comme des sortes de capsules d'informations qui sont triées, classées et entreposées. Comme des sortes d'un. Enfin, c'est similaire en tout cas à des ordinateurs. D'accord. Est-ce que c'est relié à un ordinateur central? Oui, qui est hors matrice artificielle terrestre. Ok, alors on va l'inclure également. Donc, je suppose que c'est mieux de faire disparaître tout ce qui est en lien avec Patricia. Oui. On ne grille pas les ordis. Non. Non, même le dernier, qui est le plus proche d'elle. Celui qui est le plus proche d'elle, oui, mais les autres, non, parce que ça viendrait créer des impacts en cascade qui pourraient s'avérer négatifs sur d'autres consciences humaines. Je sais. Bien, alors on va griller le plus proche d'elle. Allez, tu fais une explosion en grille. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant on va éliminer toutes les informations jusqu'à cet ordinateur hors matrice. Tout ce qui concerne Patricia, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Regarde, il reste quelque chose quelque part. Non. Bien. Alors dis-moi si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Il y a d'autres planètes sur lesquelles existent des êtres humanoïdes qui portent comme des traces d'ADN de celle qui est Patricia maintenant. C'est des copies en fait qui ont été faites, mais qui portent les mêmes informations et des informations similaires. Alors, qu'est-ce qui se passe si on enlève ces traces d'ADN sur ces êtres? Ah, ça vient les déséquilibrer. Alors, quelle solution vois-tu de ta perspective pour résoudre ce problème? Couper tout lien entre elle et ces êtres humanoïdes-là. Combien est-ce que tu en comptes? Il y en a des centaines, hein. Bon, alors, sans les compter. On va déclarer qu'on coupe tous les liens et je suppose qu'ils sont dans plusieurs dimensions, dans plusieurs plans de réalité. Oui. C'est fractal, Oui. multidimensionnel et donc quantique. Donc allez, elle coupe tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, plus maintenant. Est-ce qu'elles n'ont pas anticipé la séance? Il n'y a rien de dissimulé? Non, tout a été vu déjà. Alors, regarde comment réagissent les mentats. Il y a une frustration et une colère qui sont là présentes. Est-ce que tu vois qu'elles sont en quête de solutions? Oui. Bien. Alors, on va éliminer de leur circuit le Renault et tous leurs moyens de souvenir, donc la mémoire de Patricia. Donc, pour tout le collectif, il y a les informations ou la mémoire de Patricia. Tu es OK avec ça? Oui.
Donc, on élimine tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde comment elles réagissent, comment tu les vois, est-ce qu'elles ont moyen de s'en souvenir ou pas. Non, maintenant, non. Très bien. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment tu vois son âme? Elle s'entourait d'une cape d'invisibilité pour ne pas être repérée, remarquée. Ok, sa partie luminale. Elle s'est décalée de la partie physique pour être impactée le moins possible par l'interférence. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Patricia pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Patricia. Explorer en toute liberté et joie tous les aspects de cette condition humaine incarnée en 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme des sortes de feuillets de séparation qui sont fins comme des feuilles du papier à cigarette, hein, qui sont là... incrusté en quelque sorte dans toute la structure de l'arbre. Ça vient séparer les consciences rattachées à l'arbre les unes des autres. Ça vient les placer sur des fréquences différentes. Ok. Est-ce que ça crée des différences dans les polarités ou pas? Oui, ça vient créer comme des sortes d'incompréhensions mutuelles entre les polarités. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Patricia? Ça vient créer chez elle une sorte de, comme une sorte de déséquilibre intérieur, hein. Comme une vague sensation d'insécurité sans parvenir à définir d'où elle vient, avec une tristesse et une nostalgie en arrière-plan. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a ces mantes qui sont là déjà présentes et qui viennent placer ces sortes de dispositifs là de feuillets. Bien. Alors, ce sont les mantes, donc ce n'est pas les démoniaques cette fois. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence très haute et puissante qui vient le placer bien au-dessus de la fréquence de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant, libre, équilibrée, fluide et légère,
entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Patricia? Ça vient l'apaiser et l'équilibrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. C'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN, puisque nous avons vu qu'il y a 1,5% de trafiqué. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? C'est 1,5% là. Bien, alors on élimine tout, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. De ces 1,5%, est-ce que tu vois des résidus en arrière-plan? Non. Alors elle les remplace avec sa propre essence. C'est fait. Alors, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Donc, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de leur deux créations dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'élises? Combien sont collectées et combien sont activées? Il y en a 5 de connectés et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient sécuriser et renforcer sa base énergétique. C'est fait. Bien. Alors à présent, on va passer donc à l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. J'arrête. L'élimination des codes matriciels ayant été faite, j'aimerais que tu regardes donc s'il reste des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 84%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde et envoie de l'amour dans l'entre maternel, dans l'environnement et bien au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, luminescence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un schéma énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et je vais conseiller à Patricia d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé,
pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives, connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Patricia, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare. Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire de soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. » Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui.
car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elles ne conservent bien sûr que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseigne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de son propre champ naturel, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À l'installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. À un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantal. Oui. À un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. À un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. À un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacticulation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui.
pour ce faire, qu'il soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Alors, installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, crème de vie et double muscade activée. Oui. Et à présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, prévisé et concrétisé. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Patricia de visualiser, imaginer et ressentir au maximum dans la mesure de ton possible pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, blanche et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente, arrive à la hauteur du coccyx. Elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. Et c'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Je propose à son élément mental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. de chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit d'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'ils soient connectés au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et pour cela, nous allons utiliser le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes. Et on va commencer par le système cérébro-spinal en le calquant sur l'archétype originel. Que se passe-t-il? Ça vient copier, calquer exactement les informations présentes là. Et les adapter précisément à l'ensemble de ces cellules. Est-ce que ça se réalise jusqu'à la troisième dimension? Oui. Bien, alors on continue sur le système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonale. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire à tout à l'heure général. Oui. Bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique, oui. Cycle vitaux organique et systémique.
Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fasciathérapie. Elle vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Nous abordons à présent les systèmes des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe flore de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Nous allons à présent procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les mémoires de vieillissement, les programmations de vieillissement, pardon, au sein de son ADN, de ses cellules, de sa biologie. Pour cela, on va utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. C'est fait. Et maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien, à présent, on va regarder sa glande pinéale, mais avant, il y avait un système GPS sur le troisième œil. On regarde s'il en reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors, pour la glande pinéale, on va regarder sa production de valantonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 59%. À combien l'était-elle avant la séance? 53. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. C'est fait. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. À présent, nous allons pouvoir explorer ces points. Le premier qu'elle a évoqué, ce sont ces fameux maux de tête qu'elle a depuis l'enfance. D'où venaient ces maux de tête? À une différence de fréquence entre ses propres fréquences à elle et la fréquence des interférences, la fréquence de ses montes. Bien, alors maintenant qu'elles ne sont plus là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Le reste des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations de fonctionnement, de réaction, de résistance de l'élémental du corps physique, mais qui viennent créer une tension et donc ces maux de tête. Alors je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui.
Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et érotisé. Oui. Voilà, vois-tu qu'on peut y mettre des énergies spécifiques? Oui, des énergies d'équilibre et de force vitale aussi. Alors, allons-y. C'est fait. Voilà, maintenant, on va regarder son système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Donc, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Au niveau du cerveau droit-gauche, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Le système nerveux central, en vois-tu également? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde maintenant si tu vois des raisons pour lesquelles elle pourrait encore avoir des maux de tête. Non, plus maintenant. Alors, stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. Voilà, spondylarthrite ankylosante, donc ankylosante, pardon, je vais y arriver. Regarde à quoi c'est dû. Ces sortes de points verts noirs aperçus, là, tout à l'heure, hein, qui venaient, ça faisait comme des grésillements. Ça venait impacter douloureusement le corps physique. Bien, donc on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées. Oui. Alors pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations de fonctionnement, d'adaptation, mais qui ne sont plus adaptées justement maintenant. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et érotisé. Oui. Là, on peut envoyer des énergies spécifiques. Alors oui, des énergies d'équilibre. Et là aussi de force vitale. Allons-y. C'est fait. Des énergies d'apaisement aussi. Oui. Une sorte de paume. C'est fait. Alors justement, je voulais inviter son élémental à installer un baume donc apaisant et donc contre les douleurs et tout ce qui est enflammé dans sa physicalité, vu et pas vu. Oui, c'est fait. Voilà. Tu as autre chose à faire, hein? Non. Stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. Les fragilités dans l'estomac, les intestins, le système digestif, et ça, on le retrouve dans sa lignée du côté féminin. À quoi c'était dû? C'est dû à la programmation de la lignée et aux vulnérabilités, aux fragilités inhérentes à cette programmation. Alors, c'est plus marqué, en fait, ces déséquilibres-là, ces vulnérabilités-là, sur la polarité féminine, du fait que l'origine en soi alimente. Bien. Alors, à part de rompre avec les liens de la lignée, en tout cas les liens toxiques, qu'est-ce que tu vois à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes hein, qui sont d'ordre traumatique à éliminer. Et des habitudes de fonctionnement, d'adaptation d'élémental du corps physique. Très bien. Dans quel coup avec tous les liens toxiques à éliminer, on va dire même les liens toxiques, souvent le terme générique qu'on a élaboré, et on élimine tout le reste avec. 1, 2, 3. Oui. Voilà. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et érotisé. Oui. Voilà. On peut mettre des énergies particulières dans tout son système intestinal, estomac, digestif, métabolique. Des énergies d'équilibre, hein. Et c'est non seulement d'équilibre, c'est aussi de sérénité et de calme intérieur. Donc ça vient lisser les flux d'énergie et les régulariser. C'est fait. Bien, c'est complet pour toi là? Oui. Alors stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Voilà, autre point, donc elle a subi l'ablation de l'utérus, voilà, et il s'est avéré finalement à la suite de cette ablation que
c'était pas nécessaire parce qu'il n'y avait pas le cancer qui était diagnostiqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement? La situation sur le plan physique a été provoquée, mise en place par les mondes, hein, qui considéraient qu'elle était la propriété et qui voulaient récupérer des informations génétiques sur sa matrice. D'accord, c'est elle qui a organisé donc cette erreur d'ablation, c'est ça? Oui. Bien. Et elles ont pu récupérer des informations? Oui, mais tout a été détruit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ok. Bon, de cet événement maintenant, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer. Bon, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. Tu vois les énergies particulières à mettre dans le système matriciel. Il y a des connexions à recréer. La mise en place d'un nouvel équilibre avec ces connexions-là. Alors, on va recréer toutes ces connexions. Oui. Voilà. Et la mise en place du nouvel équilibre. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Un apport de force vitale spécifique. Allons-y également. C'est fait. Vois-tu autre chose à faire? Non, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, mais concrétise. Oui. Voilà, donc, autre question. Bah, c'est à propos de son premier enfant. Donc, il a évolué dans la déviance, hein, dans les conditions qu'elle a évoquées. Alors, regarde, connecte-toi à lui et regarde qu'est-ce qui fait qu'il se comporte comme il s'est comporté. Dans sa sphère d'énergie, il y a des mentes et des entités démoniaques. D'accord, très bien. Bien, le fait qu'il ait touché à des drogues, etc., c'est poussé par ses entités. Oui, pour avoir accès plus facilement à sa psyché. Bien, ok. Bien, bien, bien. Donc, on va le faire venir devant elle. Oui. Et puis, on va en profiter pour venir les deux autres enfants. Hein. Ils vont venir tous les trois, comme ça, ils en profiteront ensemble. Oui. Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et bien sûr de prendre des informations qui ont été recueillies à propos du premier. Oui. Et de ton côté, regarde les entités qui sont en lien avec tes enfants. On retrouve des entités démoniaques et en arrière-plan des mentes également. Des mentes pour tous les trois du coup? Oui, mais beaucoup plus en arrière-plan pour les deux autres enfants. D'accord, c'est plus prégnant pour le premier. Mm-mm. Qu'est-ce qui fait qu'il est plus visé que les autres? Parce que les portes sont ouvertes, plus grandes, vers les autres dimensions en raison de la prise de drogue. Ah, d'accord, il a créé des ouvertures, tu veux dire? Mm-mm. D'accord, c'est important de le savoir, ça aussi. Bien, alors comment réagit-il quand il découvre toutes ces entités et toutes ces informations? Il y a comme une sorte d'état d'être, de stupéfaction, de sidération, comme un arrêt sur image. Alors, demande-leur s'ils veulent que nous les aidions tous les trois. Oui. Alors, chacun se connecte à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour eux à présent? Une montée en fréquence haute, soudaine et puissante pour chacun d'entre eux. Ça vient chasser toutes les entités de leur réalité. Bien. Est-ce que tu vois qu'il en reste en arrière-plan? Les mentes restent en arrière-plan, oui. Eh oui, c'est les plus malignes. Ok. Donc, tu vas ouvrir un portail et on va les virer avec toutes les possibilités qu'elles ont de les retrouver, chacun d'eux. 1, 2, 3. Oui. On ferme le portail et tu les effaces. Oui. Voilà, maintenant, tu vas les inviter tous les trois à couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique qu'on a. Donc, élaboré, c'est-à-dire qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, relationnels et autres. Il coupe tous les liens. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et à présent, ils ont accès à toute la séance. Ils peuvent donc s'y impliquer
en commençant dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure, puisqu'ils en ont toutes les informations, ils en ont la liberté et les compétences. Oui. Ils sont OK tous les trois? Oui. Bien, eh bien, allons-y. C'est fait. On revient sur Patricia? Oui. Alors, autre point, elle pratique le Reiki, donc elle est en même temps enseignante. Voilà, et lors des séances, il y a un être qui apparaît, mince, pas très grand, voilà, avec un kimono noir, souvent assis d'ailleurs. Regarde de qui il s'agit. Il se présente là comme un gardien. C'est un gardien d'Egrégore. Un gardien d'Egrégore, du Reiki. Oui, il est là pour vérifier si la pratique est correcte par rapport aux règles de l'Egrégore. Bien. Alors, quand elle pratique, donc quand elle est en pratique de cette méthode, à quoi elle se connecte et qu'est-ce qui se passe? Elle se connecte à l'Egrégore lui-même. Voilà. Et qu'est-ce qui s'y passe en se connectant à l'Egrégore? Comme si elle branchait, connectait une prise de courant. Il y a de l'énergie qui circule, mais en sa défaveur. C'est-à-dire qu'il y a aspiration de son énergie pour venir nourrir l'Egrégore. Et quand elle fait des soins sur les autres avec le Reiki, qu'est-ce qui se passe? Ça vient puiser de l'énergie aussi sur les autres personnes. Ça passe à travers elle. Bien. Et cet égrégore, il nourrit quoi? Qui est derrière cet égrégore? En arrière-plan, ça a été récupéré par des entités démoniaques. Voilà. Bon, il faut que ce soit clair pour toi maintenant. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça lui a coûté à Patricia, le fait de s'adonner à cette pratique de cette façon-là? Un affaissement de sa sphère d'énergie. Voilà. Donc, il faut que tu comprennes que tu pourras continuer à faire une pratique de guérison avec les mains, mais cette fois en te connectant directement à ta propre source et à toutes les parties issues de toi-même et en précisant rien ni personne d'autre. Car lorsque tu cherches à l'extérieur voilà, des connexions ou autre chose, évidemment, tu te détournes de toi-même et ça permet de te connecter et de te faire prédater par ces entités. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que tu vois qu'il y a des liens toxiques à couper, là, des Grégory et autres? Oui, des liens d'attachement aussi. Allez, elle coupe tout, liens d'attachement également. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà. Et cet être-là qui l'accompagnait dans les séances, il est toujours là? Non. Il a été dégagé avec le reste? Oui. Parfait. Tu vois d'autres choses à éliminer? Non, c'est correct. Bien, maintenant qu'elle a toutes ces informations, elle pourra s'y adonner, mais autrement, voilà. Bien, alors qu'est-ce qui fait que depuis quelques années, elle se sent perte de foi et d'enthousiasme alors que ce n'est pas dans sa nature? C'est sa situation d'interférence qui vient peser de plus en plus lourdement. Et bien puiser dans son énergie de plus en plus au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. Tout son être est sans arrêt en phase de rééquilibrage, de réadaptation. C'est comme une sorte d'usure lente. Oui, ça fait des pas fatigués, évidemment. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais que tu cherches le tout premier traumatisme. Tu vas au tout premier traumatisme qu'elle a vécu. Ça m'amène au moment où elle se retrouvait aspirée par la matrice artificielle terrestre. Avec cet instant-là précisément, où elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus retourner en arrière et qu'elle était prisonnière là. Bien. Alors, de vide à l'intérieur d'elle-même. Alors tu peux aller la voir, mais avant ces événements, tu choisis un moment où elle est pleinement dans son bien-être et dans sa pleine expression d'elle-même. Oui. Voilà. Tu vas donc lui présenter, l'informer des événements qui vont arriver et tu vas surtout l'inviter à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là?
Et une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient la soulever et l'équilibrer. Bien. Alors maintenant qu'elle sait ce qui va arriver, elle sait également que ça ne changera pas, les événements resteront les mêmes. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière d'être, son ressenti, etc. face à eux. Oui. Voilà. Donc maintenant qu'il y a l'événement préparé, avant de plonger dans les événements, j'aimerais que tu me dises quel regard elle porte sur ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle en comprend. De cette nouvelle perspective, là maintenant, elle perçoit que toutes ces situations sont mises en place et préparées pour elle et par elle-même, en fait, par d'autres parties d'elle-même supérieure et par son soi supérieur pour expérimentation de sa conscience. Bien, alors maintenant qu'elle en perçoit le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties, elle va plonger dans les événements et ceci jusqu'à sa toute première incarnation humaine. Oui. Comment la vois-tu dans cette première incarnation humaine? Elle s'y sent heureuse et sereine. Elle ressent cette physicalité comme quelque chose de stable et de tranquille et de rassurant. Elle éprouve de la joie et du plaisir d'être là dans l'incarnation. Bien, donc on est loin de la dramatisation et de la victimisation. Oui. Elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle va passer par chacune des vies vécues et intervient également jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles va se réinformer et se reprogrammer. Oui. Arrivée ici et maintenant en tant que Patricia, comment la vois-tu? Légère et pétillante. Et en même temps, elle se sent centrée et équilibrée. Elle ressent pleinement sa connexion avec sa propre puissance intérieure. Elle éprouve de la joie et du plaisir à être là dans cette incarnation. Bien, elle retrouve également sa foi et son enthousiasme. Oui. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, elle le télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toute cette partie, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, autre point, donc, c'est à propos de Phil, hein, voilà, son compagnon. Il se demande, donc, ils se sont rencontrés depuis 2004. Quel lien il y a? Est-ce qu'ils se sont connus auparavant? Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qui les réunit, les rassemble? Leur curiosité commune et leur désir d'exploration commune, de nouvelles dimensions, de nouvelles situations. Et est-ce qu'ils se sont connus avant cette incarnation-là? Oui, dans d'autres incarnations, ils se sont croisés dans les roues d'incarnation humaine et en amont aussi. Parce que dans les roues d'incarnation humaine, c'est comme s'ils s'étaient reconnus mutuellement. Et déjà là, c'est comme s'ils s'étaient toujours connus. Et en donc, amont, on les retrouve tous les deux sur leur deux consciences, sur Uranus. Sur Uranus. Ah, ils ont eu une vie sur Uranus. Pas une vie complètement, un déplacement. D'accord, lorsqu'elle s'est déplacée en quête d'information, c'est ça? Oui. Elle l'a rencontrée là-bas? C'est comme deux voyageurs qui se sont rencontrés. Et qui se rencontrent encore et encore. D'accord. Et là, ces retrouvailles dans cette incarnation, ils l'avaient programmé tous les deux? C'est un petit peu comme jouer au dé. C'est-à-dire que tout est mis en place dans leurs intentions de se retrouver si possible et le plus souvent possible dans leurs incarnations, on va dire personnelles, de façon à mettre en place des croisements et si possible des portions, des cheminements d'incarnation communes. Mais comme quand on lance les dés, quelquefois ça fonctionne, quelquefois ça ne fonctionne pas. Et quand ça fonctionne, c'est de façon plus ou moins longue et plus ou moins équilibrée. D'accord.
Et donc, il y a eu des incarnations humaines dans lesquelles ils étaient ensemble. Un de multiples, oui, ça dépasse même la boucle d'incarnation la précédemment citée pour elle. Ah, donc il y a aussi d'autres boucles. C'est ça, il y a des boucles qui se croisent et qui s'entrecroisent, et ce système de jeu des, qui est comme une sorte de programmation qu'ils ont installée concernant leurs deux consciences, vient dépasser largement cette boucle-là. C'est comme une sorte de feu d'artifice. Ça en plusieurs bouclés de multiples incarnations. Bien. Et là, pour cette vie d'aujourd'hui, de Patricia, est-ce qu'ils ont un objectif en se retrouvant ? L'objectif est toujours celui d'expérimenter toujours et encore l'esprit de découverte, de curiosité, de cheminer ensemble et en train de mutuel. Voilà, bon, tu as les informations. Ah. Maintenant, regardez son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et bien sûr les croyances limitantes qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des programmations qui se présentent comme des sortes de crochets qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Ça vient créer comme des sortes de dessins, des formes géométriques, hein, multidimensionnelles. Et ça vient se surajouter les unes aux autres, hein, comme une sorte de tricot multidimensionnel, mais qui au fur et à mesure d'incarnation devient de plus en plus lourd, pesant et limitant. Et quelles sont les croyances qui en sont découlées à partir de ça ? Elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Et sur cette nouvelle étant et dans ces nouvelles conditions, qu'en pense à présent avec tout ce qui a été vu, entendu, compris et intégré, ces autres parties ? Maintenant qu'elle est directement connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ces programmations et qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle s'aperçoit qu'elle, à présent, peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il à dégager de sa réalité ? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques. Alors, on est tous sous des plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours sur l'enseigne de temps, maintenant tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Oui. Dans le corps émotionnel, il y a comme des sortes de décalages, en fait, hein, mais qui sont induits par tous ces filets là, qu'il y avait installés sur elle, qui venaient séparer les corps subtils des uns par rapport aux autres. Donc ça venait non seulement décaler les corps subtils les uns par rapport aux autres, mais aussi chacun des corps subtils dans leur structure, dont le corps émotionnel. Donc ça venait créer dans le corps émotionnel une sorte de déséquilibre intérieur, de sensation d'insécurité, de ne pas être centré, cette sensation aussi de ne pas être légitime, de ne pas arriver à trouver sa place. Et ce qui vient générer en arrière-plan de la tristesse, de la nostalgie et de la souffrance émotionnelle aussi. Ça vient aussi générer des frustrations, de la colère par rapport à ces frustrations. Et puis un poids de culpabilité pour ne pas arriver à garder ces fréquences émotionnelles légères et régulières. Tous ces éléments viennent créer une image d'elle-même qui est décalée, qui ne lui correspond pas. Et surtout dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Et ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. Alors, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles ? Il y a le sentiment d'injustice de ces conditions d'incarnation-là, ressenties comme limitées, resserrées, bridées. Il y a le ressenti de la partie physique d'avoir été trahi par le soi supérieur, pour avoir été là, rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation là limitées. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique.
Et aussi l'humiliation ressentie de ne pas arriver à se déployer, à pouvoir exprimer toutes ses capacités, toutes ses potentialités comme elle l'aurait voulu là, dans l'incarnation. Donc pour fonctionner, pour arriver à fonctionner quand même dans l'incarnation, elle a mis en place tout un système de fonctionnement où en fait elle se bride elle-même, elle se limite elle-même par sécurité, pour éviter la souffrance, hein, et pour éviter de trop se sentir décalé, pour éviter de se sentir, c'est ça, décalé, pas à sa place, hein, illégitime. Donc elle se cantonne en quelque sorte dans des fonctionnements bien précis, bien spécifiques, hein, qui lui permettent de trouver une assise et une sensation de sécurité intérieure. Donc ça lui permet d'avancer dans l'incarnation, mais cette façon-là de fonctionner l'empêche de se connecter pleinement à ses intuitions et ses parties d'elle supérieures. Mais c'est la seule façon qu'elle avait trouvée pour fonctionner en toute sécurité et sérénité dans l'incarnation. Alors je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer de tout ça ? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques à éliminer. Alors, on élimine tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et bien sûr, en ce qui concerne la personnalité, Patricia, tu as donc des informations et des compréhensions pour t'ouvrir à de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons. Bien, alors toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur surit autour d'elle également. Oui. Comment vas-tu, Patricia, à présent ? Légère, apaisée, tranquille, centrée et sécurisée. Elle est là, centrée sur sa base intérieure de sécurité. Ça lui permet de se recentrer sur l'instant présent, de l'apprécier, d'y trouver du plaisir et de s'y déployer. Et ça lui permet aussi de trouver du plaisir à être là dans l'incarnation. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si elle est installée là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit amoureuse, matérielle, professionnelle, familiale, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, planifie et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je rajouterai de le ressentir pleinement. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-elle justement au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Patricia ? Il y a de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant elle. C'est instructif, vivant, joyeux, coloré, varié. Elle a envie d'y participer et d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'elle prend le temps de ressentir de la paix et de le savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite,
une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Comment vas-tu, Patricia, à présent? Apaisée, stable et en même temps directement et pleinement connectée avec son énergie vitale, sa force et sa puissance qui circulent librement dans toutes les parties d'elle-même. Ça vient créer des expansions de sa conscience et ça vient générer de nouveaux espaces de découverte et de liberté qu'elle découvre là maintenant comme potentialité d'expérience dans l'incarnation. Elle éprouve de la joie et du plaisir là maintenant d'être dans l'incarnation. Alors, ça va être le moment des invitations. Oui. Elle met bien sûr les trois enfants avec leur famille respective, leur père également et sa famille, bien sûr ses deux sœurs et leur famille, la famille en général, Philippe également, hein, Phil et sa famille, et on va dire tous ceux à qui elle pense, si dans l'aventure elle pense à quelqu'un d'autre. J'ai pas demandé s'il y a des animaux. Il y a des animaux? Il y a des animaux chez tout le monde? Bon, en tout cas, les animaux sont invités. Hein. Voilà. Donc, tous les animaux sont invités, eux, pour la douche finale. Oui. Alors, tout le monde, elle montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il tous un coup de pouce? Oui. Alors, puisque nous avons leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle classique de protection, secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Patricia pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont conviés. Oui. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au... Ah, les désincarnés. Je n'ai pas demandé... Ah si. Maintenant, on va passer aux désincarnés. Oui. Donc, elle a donné celle qui a été sa mère. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans le moyen astral. Elle... flotte dans une sorte de bulle ou de sphère de protection qu'elle a elle-même mis en place. C'est pour éviter de trop dériver, ça vient la stabiliser. D'accord. Alors identifie-la, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agit d'un d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui.
Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? D'une montée en fréquence haute, puissante et légère en même temps, qui vient l'élever au-dessus de ce plan-là, ça vient la sécuriser. Cette sphère-là se dissipe lentement, elle n'en a plus besoin maintenant. Que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyé? Elle envoie une onde d'amour, de remerciement et de reconnaissance envers celle qui était sa fille. Et cette onde d'amour universelle, puissante, se déploie auprès de toutes les consciences qu'elle a connues sur le plan 3D et les autres plans traversés. Bien. Alors, avant de remonter, demande-lui si ça veut bien envoyer dans les lignées paternelles et maternelles de Patricia des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle, en particulier donc son ex-mari, enfin celui qui a été son mari. Oui. Allons-y. C'est fait. Très bien, maintenant on va la saluer et la remercier. Elle est partie. Elle est sortie de la fausse matrice. Oui. Bien, alors maintenant ça va être le tour de celui qui a été son parrain. Donc qui était le mari de sa grande tante du côté paternel. Sur quel plan vois-tu et dans quelle situation? Il est dans le moyen astral. Il est là, il observe, il regarde les consciences passées autour de lui. Et lui reste là, immobile. C'est comme s'il avait choisi d'être là. D'accord. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie. Et demande-lui s'il veut être aidé. Oui. Oui. On dirait qu'il a hésité. Oui, parce qu'il y a comme une forme d'hésitation entre le fait de rester là, à occuper la fonction qu'il occupe, hein, et le fait d'expérimenter autre chose. C'est une fonction qu'il a choisie ou qu'on lui a assignée? Qu'on lui a assigné au départ, puis qu'il l'a fini par trouver agréable et dans laquelle il trouve une sorte de richesse d'enseignement maintenant. Qui est-ce qui lui a donc confié cette mission au départ? Au départ, c'est ce que l'on appelle les gardiens de la matrice artificielle, qui sont des êtres. La plupart sont des hybrides. Ce sont des hybrides reptiloïdes et démoniaques. Et il les a vus sous quelle forme, lui? Il les a vus sous des êtres humanoïdes, lumineux. Aidants, comme des sortes de guides, là, présents, pour les consciences qui se désincarnent. Bien. Il y a eu comme une sorte de proposition d'accompagner, de seconder ces êtres-là. Ce qu'il a accepté. Alors, pardon? Ce qu'il a accepté. D'accord. Et maintenant, est-ce qu'il peut voir leur véritable forme? Maintenant, oui. Et alors, il réagit comment? Il y a une réaction de recul. Non pas d'effroi, mais comme une sorte de dégoût, quelque chose comme ça. Bien, donc il accepte d'être aidé? Oui. Alors, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Une montée en fréquence, haute et puissante. Ça vient le placer bien au-dessus de la zone où il se trouvait.
Et que choisit-il de faire à présent? Va-t-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Continuer son chemin vers d'autres expériences libres. Bien. Alors, dès que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Et il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Bon, avant de continuer son chemin libre, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Patricia et tous ceux qu'il a aimé et côtoyé? Il lui envoie une onde de reconnaissance et d'amour. D'amour universel. Comme une sorte d'onde protectrice, réparatrice, et qui guérit, puissante. Et cette onde, il la déploie aussi auprès des autres consciences qu'il a connues sur les différents plans traversés. Bien, avec son expérience maintenant, il comprend ce qui se passe sur Terre et dans tous ces espaces. Maintenant, oui, il en perçoit toute la structure, toutes les structures qui sont là présentes en arrière-plan, dans les mondes que nous nommons de l'invisible, et toutes les entités qui sont là. En arrière-plan également. Voilà, maintenant il sait. Bon, et eh bien on va le saluer. Il est parti. Il est sorti de la fausse matrice? Oui. On revient à Patricia? Oui. Alors regarde s'il reste des liens toxiques à couper? Oui. Elle va tous les couper en une seule fois jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Elle va couper également les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes au sein de cette fausse matrice s'il reste quelque chose en ce qui la concerne à éliminer. Non, il n'y a pas rien. Normal. Donc maintenant, elle va, de son espace morontiel, récupérer toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hibiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et la petite dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscat activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle,
partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 7 de connectées et 5 d'activées. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça vient créer de nouveaux champs d'expérimentation dans sa réalité, de nouvelles lignes de temps. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de signes ou d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 8 et 14 mois. Entre 8 et 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de soulagement, de légèreté, de liberté. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes et décisions post-séance? Par vague, il y a des descentes en basse fréquence qui surviennent, comme des sortes de pertes de confiance en elle-même, des baisses de morale, une sorte d'anxiété la présente en arrière-plan de la tristesse. Mais ça ne dure pas, ça survient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et les nouveaux ne sont pas encore pleinement installés. Et dans ces phases-là, le mental égo, pour se rassurer, sécuriser, va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors, il suffira, Patricia, de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter pour bien le comprendre. Dans ces moments où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, ce sont des choses qui arrivent, c'est normal. Et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Voilà. Comme tu as bien compris, la balle est dans ton camp. Et je rappelle une fois de plus que je déconseille fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier, détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Patricia, envoyer dans le futur au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien libre, heureuse et joyeuse. Une sensation de liberté, de bien-être, de joie et de plaisir aussi, expérimenter toutes ces situations-là dans l'incarnation. Ah, tu comprends l'intérêt d'observer une recommandation. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster. Oui. Elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses parties, son âme jusqu'au soin supérieur. Oui. Voilà. Et chacune d'elles, donc pour chacune d'elles, ça devient de connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut donc ressentir dès maintenant. Qu'elle installe les programmes, bien sûr, et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, on va regarder son domicile. Comment le vois-tu? Comment vois-tu sa maison? Il y a comme des sortes de courants d'air de basse fréquence avec des ouvertures interdimensionnelles qui sont là, sur le lieu. C'est dû à quoi? C'est directement lié à son ancienne situation énergétique. Alors, regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Rien qui vienne l'impacter. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, elle ferme toutes les portes, bien sûr. Elle nettoie l'intérieur, l'extérieur de la maison, les mémoires des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances ou autres, partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscat activé et sécurisé. Oui. Sur son compteur électrique Ketalinki, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui.
Par-dessus, un aspect d'un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie, et double muscat activé et sécurisé. Oui. Sur tous les plafonds, un aspect d'un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se module et en sécurise. Oui. Elle remplit de son espace, tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle cachée de protection, elle également, et les autres occupants, comme les aides de chat par exemple, et les autres occupants s'il y en a, bien sûr, et s'ils le veulent. Oui. Voilà. Maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relie le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de vitalisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie, double biscuit activé. Oui. Autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et elle sécurise. Oui. Maintenant, tu vas sécuriser toute la séance et toute la phase de météorisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute bulle, ligne de temps, tout plan de réalité sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, planifie et concrétise. C'est fait. Et on va demander à son sort supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion et qui la maintient puissante, haute et sécurisée grâce à l'entière confiance en ses propres capacités de connexion, mais aussi à son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Voilà. Et je rajouterai aussi avec la certitude. Bien, donc voilà, tu pourras écouter les conseils et surtout les mettre en pratique. Voilà, comment est-ce que tu vois son âme à présent? Elle est montée en fréquence. Elle a laissé derrière elle tout ce qui était terne, lourd et pesant. Elle est là, vibrante, pétillante, libre et légère. Et c'est la partie féminine? Elle s'est rapprochée de la partie physique, réalignée avec elle. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, uniquement bien sûr, elle l'aura compris. Et dans cette nouvelle version de Patricia, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Voilà, tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ses taux de très haute fréquence, composés de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Patricia avant la séance et quelle était la présent? 56 et maintenant 182. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui.
Alors c'est parti. Et trois. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, ça va? Oui. Bon, eh bien nous, Patricia, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Eh ben, quel voyage, hein? N'est-ce pas? Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Oui, alors qu'est-ce que tu peux nous partager de ce qui a été vu, de ce qui a été fait, de ce qui a été compris, de ce que tu as ressenti? Alors, écoute, c'est tellement... Il y a tellement de choses. Oui. Tellement de choses. Alors, bien sûr, sur le Reiki, il va falloir que je réfléchisse. Hein. un peu déçu, hein? déçu, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je dois dire que j'avais déjà commencé un peu à lâcher et à travailler. Alors moi, je disais pas ma propre source, mais je disais ma conscience. Je voyais un tube de lumière qui montait jusqu'à ma conscience, et puis voilà. Mais il y avait toujours cet être qui venait quand même. Mais tu utilises toujours le chokurei, etc., non? Ben, pour l'instant, oui, je l'utilisais, voilà. Ouais, donc... Donc, tu es dans leur business. Oui, dans l'égrégore, ouais. L'égrégore, donc ça, si tu donc veux... Donc ça, c'est, voilà, je vais le mettre de côté, enfin, je vais le mettre de côté, non, j'y pense même plus, quoi. C'est toi qui vois, hein. Tu as l'information oui. Après tes livres. Non, mais hein. Ouais. Je pense que ça va décanter, et puis de toute façon, j'ai entre 8 et 14 mois, non. Oui, non, mais si entre-temps tu continues cette pratique en te disant ben, je décéderai plus tard, c'est pas très bon parce que tu vas te reconnecter aux égrégores. Et, Oui, voilà. Non, mais je vais être prudente. Hein. Ah oui. Je vais être prudente. Non, je vais pas me reconnecter. Je ne voudrais pas me reconnecter à quelque égrégore que ce soit. Bon, ben voilà. Donc, voilà. Alors, je ne sais plus à quel moment, mais quand je suis libérée, enfin, quand Emmanuel dit qu'il y a des choses qui sont parties, tes claquements de doigts, tout ça, je les ressens, mais vraiment très fortement, quoi. C'est paf, et puis hop, ça s'en va, quoi. Puis parfois, il y avait des... Moi, j'appelle ça du frichetiment, quand tout le corps... frémit, frétille, il y a de la chaleur partout, c'est vraiment très très agréable, quoi, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, eh bien, écoute, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo, tu as compris oui. Qu'il y a énormément d'informations. Oui, il y a beaucoup d'informations, effectivement. Voilà, donc au fur et à mesure des écoutes, hein, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Et dans ce moment de métabolisation où ça peut être inconfortable, n'hésite pas à refaire ta séance du début jusqu'à la fin. Oui, oui. Ah oui, là aussi, j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. C'est que j'ai vécu des choses pendant mon enfance qui étaient assez difficiles. Et moi, j'aime pas souffrir. J'aime pas souffrir. J'aime pas avoir une mauvaise mémoire des choses. Et donc, je m'arrangeais toujours pour ne pas sombrer trop. Dans la tristesse et dans le désespoir et tout ça, quoi. Et je me tournais toujours vers la joie. Et c'est pour ça que je trouvais difficile en ce moment cette perte de foi et d'enthousiasme, comme je dis, quoi. Mmh. Et qui me faisait me sentir lourde. J'avais l'impression d'avancer dans du gel. Ça, c'était avant, Patricia. On va voilà, ça, c'était avant. Ah, ça, on s'en fout, c'est terminé, c'est anecdotique. Ah, c'était avant. Ah d'accord, ouais d'accord. Bah oui, on va formuler des trucs qui n'ont pas lieu d'être puisqu'ils n'existent plus. D'accord, c'est hein? Vrai, à l'évidence. Ben voilà. Bon, en tout cas, grand merci à tous les deux. N'oublie pas que là où tu portes ton attention, c'est là où tu nourris l'énergie. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc nourris-toi plutôt de ce qui est positif, de ce qui a été fait, de ce que tu as ressenti, de cette perspective qui s'ouvre. Et même si tu n'en as pas encore les preuves, bah justement cette foi hein, qui est de savoir que tout est déjà là, même si tu n'en as pas encore la manifestation, puisque c'est une question de métabolisation qui ne dépend que de toi, et comme je le précise à chaque fois, de tes propres attitudes. Donc c'est le moment de commencer, hein, d'être positif, de voir que ce qui est positif, que ce que tu souhaites se voir se réaliser, et avec la conviction et la certitude nécessaires. Ça, c'est ton boulot. Ok, bah, je vais m'y mettre. Je m'y mets, j'y suis déjà en plein dedans. Déjà. Bon, ok.
Voilà, et donc ta séance, je peux la publier Ben oui. en Oui, clair? oh oui. Ouais. Oui. Bon, j'ai. Ok. Bon, ben, magnifique. Ben, merci à toi, merci à Emmanuel. Hein? Merci à tous les deux, merci Emmanuel, merci Merci. Pascal. Et Voilà. merci Phil, parce que c'est mon sponsor quand même. Voilà, ben, tu le salues pour nous, et puis ben, vous me donnerez des nouvelles quand vous voudrez. Hein? D'accord. Pareil, si, d'accord, si vous voulez, OK. bien sûr. OK. Ok. Bien, on va te souhaiter une bonne métabolisation et à bientôt pour de nouvelles À alors. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà.